Bonjour à tous, nous sommes sur le salon de la chasse de Rambouillet, chez Rivolier, et Julien qui est à côté de moi représente la marque Blazer. Blazer évidemment, c'est les carabines, tout le monde connaît les carabines Blazer, tout le monde connaît la R8, et tout comme les grandes maisons, je dirais, d'automobiles, il est possible aujourd'hui de faire beaucoup de choses chez Blazer, et la grande nouveauté, entre autres, c'est de pouvoir maintenant regarder son gibier grâce à Blazer. On a quatre modèles là, de jumelles, Julien. Depuis quand est-ce que Blazer a souhaité justement développer l'optique, entre guillemets, auprès des jumelles? Alors pour la petite histoire, Blazer a racheté Minox il y a quelques années. Donc c'est intégré dans le groupe Blazer, Sauer, Moser et Six Sauer. Ils ont ensuite lancé une marque qui s'appelle JSO avec Minox. Ils ont monté un bureau de recherche et de développement d'optique. Oui. Voilà. Et ils produisent maintenant les jumelles pour Minox et Blazer. Par contre, la jumelle Blazer, c'est un modèle spécial qui a été développé par JSO. Donc au niveau des calculs optiques, au niveau des prismes et des traitements, spécialement donc pour ce nouveau modèle qui est la Primus, disponible en 8 et 10-30, 8 et 10-42 et 8-56. Oui. Donc pour tous les chasseurs amoureux, je dirais, de la marque, et bien sûr pour tous les autres, avec comme caractéristique technique une très bonne transmission de luminosité puisqu'on est aux alentours de 92-93%, la qualité optique allemande, le sérieux de fabrication de Blazer et toute l'image, je dirais, de tradition, de sérieux ouais. Et bien sûr aussi de sobriété de la jumelle puisqu'on est sur des coloris assez foncés, donc passe-partout. Et ça va rappeler aussi effectivement les couleurs qu'on peut avoir sur les Success Queen. D'accord, alors on sera très heureux de pouvoir les tester cette année. Je pense qu'il y a une question qui intéresse nos lecteurs, c'est de savoir quel est l'ordre de prix, je dirais globalement, de ces jumelles. On est en fonction de chaque produit, sur quel ordre de prix? On est aux alentours de 2000 à 2500 euros en fonction des grossissements et des diamètres bien entendu. D'accord. Okay. Et elles seront disponibles à la vente, je dirais d'ici un mois à peu près, on va recevoir du stock, donc ça sera disponible, vous pouvez les commander chez votre armurier. D'accord. Et à quand les lunettes de Blazer? Nous verrons bien. Ça marche. Bon, pour tous ceux qui aiment la marque Blazer et qui ont envie de se faire plaisir, au-delà de leur R8, d'avoir une jolie paire de jumelles et la R8 derrière dans le dos, eh bien, c'est de tester cette année et de s'offrir les quatre modèles de la Primus. Voilà. Merci Julien. Merci Baudouin.